Magic up. Alors, Alphonse, j'ai testé tout ça. Il n'a pas eu le temps de marquer. Si tu l'as acheté là-bas, il est là pour des jeux et. Oh, c'est bien. Il est des France. C'est propre. C'est quoi les jeux? Star Wars, Tiger. Waouh, ils sont dans un état par contre. Il faut nettoyer. Mais après, ça revient ça. Ouais. Ça revient ça. Si, ouais. Ça revient, regarde. Tu vois, ça revient. Ouais, ça revient. Tu peux nettoyer. Ils sont en train de ouf, mais après. Les CD sont mauvais. T'as pas connu toi? Si, la fin. T'étais tout petit. J'ai connu toi. La fin, ouais. Ah oui. Vous mettez l'eau après? Non. C'est dommage, vous pouvez faire payer la baignade après. Non, arrête. Ah, c'est bon, il y a encore un mec qui m'a dit c'est son gros pétard, je n'ai que des clopes, sans déconner. Vous avez vu comme c'est tard, mais c'est vrai, en plus, c'est vrai. Mais arrête toi en plus. On va croire, on va couper de cette manière qu'ils disent je fume mon péteur. Voilà, c'est ça. Voilà l'instant symbolique. Le fameux évacage. Bon, ça s'efface un peu, c'est dommage. On passera par-dessus. Ouais, on va essayer. Bon, ça va tuer un peu le truc. Au milieu, c'est ça. Non, pas trop. Non, bah, on sait jamais. Hein, s'il y a là, il y a beaucoup. Encore un peu de place sans marcher sur un autre. Fais gaffe, il y a juste Gabi. Ouais, mets-toi juste en dessous de Kirby sinon. Oula. Ah bah dis donc. J'ai pris un feutre qui écrit vachement gros. Hein. Oh la vache. Voilà. Ah, il est efficace celui-là, il n'y a pas de soucis. Ah, il fait mal. Hein. Il y a après les causes. Attends, je vais finir. Enfin, il finit son pète. Ouais, il finit son pète. Ah ouais, il fait mal le feutre là. Il est violent. Hein. Ah ouais. Non, vas-y. Allez, vas-y. Je dois signer aussi pour les deux équipes. Chaque signature. C'est là je peux. C'est bon. Ouais. Chaque signature, ça multiplie la valeur du feu. Voilà, impeccable. Haikos. Superbe. Ah ouais, c'est ça. Moi, je l'ai fait à deux parce qu'il n'y a pas de. Diablo. Ouais, pas de problème. Ouais, deux, j'ai dit 8-10-4, donc tu deux, on va pas. En oui, il y a l'air d'avoir 15 jours apparemment. C'est pas encore. Il y a la Lara dedans. Ouais, t'as une figurine dedans. Ah bah elle y a pas. Est pas là. Ah mince. Et moi j'ai une carte et tout. Les jeux de One, ça tourne autour de combien? Au niveau des prix, les jeux One. Ça tourne autour de combien les jeux One? Bah ça dépend un peu lesquels. Hein. Ouais. Selon s'ils sont récents ou pas. C'est ça, voilà. Bon, les Dalinas, etc. C'est ce qui est incontournable, ça, on peut les faire à quasiment 8 euros caisse. D'accord, ok, ouais, ça reste raisonnable pour nous. C'est raisonnable. Là, oui, elle est 30. Très cher. 30 avec le lot de manette. Je trouve ça, avec ça, c'est bon. Faites un lot pour le. Par exemple, si on prenait juste ça. Tu veux les prendre quoi? Là, on prend tout ça en fait. Ce lot là. Tout l'ensemble? Ouais, ouais, avec celui-là aussi, j'ai oublié. Vu le nombre de boîtes complètes qu'il y a dedans, non. Allez, le tout pour 25 euros. Bon, on va regarder ça, on va juste regarder si les jeux sont dedans. Ouais, et tout. Boys, regarde. Ah, c'est cool, enfin un peu de rétro, ça change. Mais le K2 et pas le 3, c'est con. Mais c'est pas le bon. Ah merde, trouvez lequel alors du coup? Bah, le 6-8 que je cherchais depuis un petit moment. Ah, superbe! Tu vois, tout tombe à point, qui sait t'attendre? Ouais, bah, deux ans. Deux ans, on trouve les jeux. Ah, alors ça, ouais, bah, ouais. Bonne journée! Ils sont bizarres, les blisters de rue. Il y avait des lancers, ça se regarde. Oui, je sais. Et voilà. Ah, c'était le seul que tu voulais. Le seul que tu voulais. C'est toujours pareil, c'est un guitare héros comme ça. Oh la tronche. Décoration, c'est là. Xbox Live Arcade, c'est curieux, c'est pas un truc où vous avez accès en live.
qu'en ligne. Ça s'est effondré. Ah oui, là, les bouquins. Il y avait trop de choses. Des... Il y avait trop de choses. Des cartes postales. Et ben voilà. Elle nous a tout fait effondrer. Ah, t'as regardé les cartes? J'ai pas regardé les cartes, elles y étaient pas tout à l'heure. Elle est camouflée en plus, elle est super. Ouais. Elle est belle. Il a évolué. Bon alors Aiko, tu reviens de loin là? Ouais putain, je fais perdre mon téléphone, ça fait mal. Putain, t'abuses. Ouais. Faut faire attention à ses affaires. Mais encore, c'est la première fois que je laisse. T'as un gars qui te l'a ramené, franchement. Ouais, chapeau à lui, hein, bravo. Super gentil, hein, franchement. 4 euros pièce. Ouais. Moi je fais le lot, je vends tout d'un coup. Ah ouais je c'est 4 euros, 4 euros le lot. Ouais, ouais. 4 euros le lot. Non, non, 4 euros. Vous avez d'autres choses ou pas en jeu ou vidéo? J'en ai mis chez moi. Ah mince. Ouais. Là, quand vous avez que ça en fait. Ouais, ouais. Non, tu l'as déjà ou pas le mode? Non, non, non. Donc t'as 4? Ouais, ouais. Enfin, j'ai déjà. Mais après, faut voir le. C'est tout le lot. Ah oui, c'est vrai qu'il faut prendre tout. Ah ouais, moi je vends tout. Ah, c'est 4 euros pièce, mais tout d'un coup. Voilà. Qui va être courageux pour acheter le reste? Ça fait quasiment 30 balles. Ça fait 30 balles pour lui. Celle-là? Non, celle-là. Vous allez en dessous? Vous avez la monnaie? Devant 5 euros le tout. Bah, je prends. Je crois que je vais vous le prendre. Un bolo PS. Allez, combien? Allez. 5 euros le tout, et c'est pas moi qui ai proposé, c'est la femme qui m'a dit putain, c'est je vous vends 5 euros le tout. Allez, 5 euros le tout, ça fait pas. Il y a quoi? Il y a une quinzaine de jeux. Putain, c'est fou. 10, ouais, 10, 15. Ça tombe sur toi le full setter PS5. Ouais, c'est fou. C'est génial. Regarde, il y en a Shumba. Ouais, il y en a au moins une quinzaine. Une quinzaine, facile. Merci, bonne journée, madame. Au revoir. Il est beau, hein, celui-là. Bon, bah là, il y en a du jeu. Je trouverai jamais ce Warda, toi. Tu trouves quoi? Tu trouveras jamais quoi? Sur PS2, je trouverai pas pouvoir d'être. Pourtant, il est vachement courant. Hein. Et c'est parti pour le big grenier. C'est qui, c'est fou? Alors. T'as trouvé des super trucs, putain, il y a un jeu Mega Drive sous blister rigide. Non, il est là. Il est là. Ah, ah, c'est pas cher. Hein. Il est là. Putain, il y a des trucs sympas. Je vais faire un lot de TTZ. Cachés avec les ils sont cachés, ça c'est des fausses. Et des Pokémon. Ah oui, c'est vrai. Attends, je vais les trier, je vais les mettre de côté. Ça devait être trié, mais ça a dû être tellement fouillé. Oh. Ah si, regarde. Il y a un sacré paquet. Mais elle est bizarre. Les quelques-unes que je vais prendre, je vais prendre les dragons. Oh quoi, c'est 1€ la carte. Ah mais il en reste plein. Putain, j'espère pas que c'est, ah, mais c'est que c'est les prix qui est marqué dessus. C'est mais non, c'est pas 1,50. What? What? Il a laissé toutes les fausses. C'est pas que des fausses. Ah oui, il y a les trainers, ouais. Ah, il y en a peut-être que j'ai pas, l'empêche. Combien vous les vendez les cartes? Bah je fais un lot, ouais. J'en prenais plusieurs. On va essayer, ouais. On va trouver les trucs qui nous intéressent. Ah, c'est, ça fait longtemps, je sais même plus dans quoi on les avait ça. Il me semble que c'est, bah, c'est marqué. Vous devez avoir des doubles. C'est contre. Marqué BN, donc je sais plus si c'est dans les paquets de Choco BN, ouais, ou c'était possible, autre chose. Hein. Choco BN. À l'époque, t'en avais beaucoup des cartes dans les paquets de gâteaux. Ah, j'adore. Oui. Mais alors, pour tout plein de dragon en fait, j'ai même pas. Bah alors, t'as mal fouillé? Merci. Ou alors, il y a eu un paquet de remis. Vas-y, je prends ça, j'aime bien. Attention, le prix monte là, ouais. Star Wars. Hein. Je vais prendre vraiment les dragons, les transparents, je crois que je les ai déjà tous. Ah, oui. Le petit cavrot. En fait, il y en a plein, elles sont cachées. En fait. Faut bien Elles sont plus petites en fait. Bien fouillées. Hein. Ouais. C'est con parce qu'on n'a pas trouvé grand chose dans le jeu vidéo. Par contre, j'ai fait une trouvaille vraiment superbe pour moi. Aussi, c'est l'heure du piège. J'ai trouvé des vieilles cartes BN Star Wars et c'est con parce que ça, j'ai pas trouvé de grand chose en jeu. Mais rien que cette petite trouvaille, ça m'a un peu transporté il y a très très longtemps et je me suis rappelé de ces cartes. Donc je suis très content d'avoir mis la main sur ces petites cartes. Ça m'a remis un peu dans le passé et ça c'était super. Là, arrête de me filmer quand. Et c'est vrai qu'il faut pas que tu traces parce que alors là c'est la buzz. La buzz qui est ça dans les mains là. Et gros pétard gros. C'est quoi ce rire, hein.
Qu'est-ce que c'est que ce rire? Bon, il y a des trucs à acheter un peu là. Les gens. Jésus, c'est tout. Jésus, c'est tout. Ou rien. Et la femme fatale à côté. Avec. Qui c'est la femme fatale? C'est Ségolène Royal. Ah, ouais, c'est ça. Il va mettre un son dessus. Il va mettre un truc. Je vais mettre le lundi au soleil. Total overdose. C'est quoi déjà? D'accord. Pas mal, pas souvent, je sais. La console, vous la vendez combien? 80€. 80? Vous n'avez pas de jeu des fois, non? Non. Bonjour. Bonjour. Vous vendez combien ça? Là, j'ai fait à 30. 30. Vous avez des jeux avec ou quoi? Non, j'ai plus compris. Ah. Il y a tous les câbles ou pas, vous savez? Bon, là, oui. Ok. Vous en avez d'autres ou pas, des consoles comme ça? Juste ça? Ce qui est chaud, c'est qu'elle était posée sur le stand là-bas. Sur le banc. Je suis en train de le rechercher. Ouais. Là, j'ai pas ah, vous l'avez pas retrouvé? Voilà, je l'ai pas retrouvé. Là. Et ça, c'est des jaquettes, c'est imprimé. Ça, c'est mon fils, il avait tout mis dans les pochettes, mais il les avait sortis pour pas que ça soit tombé. Là, j'ai retrouvé pas mal, mais même celui-là, je ne sais plus. Ok. Bon, bah, merci. Bon, alors, c'est pas prévu. Hein. Pour aller avec ton t-shirt, ouais. C'est marrant. C'est marrant, ouais. Mousteros. Tu crois qu'il le vend combien? Mais regarde, j'ai pas calculé, c'est un carton PS3. Oui, moi je l'ai vu de loin tout à l'heure. Ah, bien vu. Bonjour. Combien vous vendez le carton? Bah oui. Bah je m'en sers pas. Bonjour. Ouais, c'est pour ranger les choses. Est-ce que vous vendez le carton, vous? Juste le carton? Ouais. Ah ouais, ça, alors, c'est on l'a chose, jamais fait ça. Bah voilà. Je le vends, moi, mais je le vends à quel prix? Bah, je sais pas. Combien? 50 centimes, ça va? Bah allez, ouais, moi ça me va. Bah allez, hein. Mais ouais. C'est la première fois. Eh ben voilà. Il faut toujours une première fois. Voilà, les portes. Et ça, le Monopoly, vous le vendez combien? Je le vends 15€. 15€. Bon, après, je peux. Moi, je crois que c'était le prix qu'il le faisait à un moment donné à Micromania. Ils sortaient tous à 15€. Je vous fais un prix. Allez, je vous fais à 9. Ça vous convient? 9. Je peux pas faire moins. C'est bien, il est 9. C'est un bon prix, ouais. Je peux pas faire moins, cher. Ouais, je comprends. La première fois qu'on vous demande le carton, alors? Franchement, ouais, mais bon. Bah ouais. Tu peux voir l'état? Ouais, bon, elle casse. Je suis désolé de casser ça. Mais c'est pas grave. Monsieur, c'est un passionné, je crois. Ouais, je vois les BD, je vois les trucs. Les BD. Les BD sur le bord. Tiens, mettez-y du scotch, je voulais la conserver ouais, même. Je vais juste regarder le nom. Okay. Ah ouais, d'accord. Ok. Cool. C'est quoi? C'était un pack ou pas? Non, non, c'est la classique. C'est quoi? Il y a un verre de. Ah non, c'est pas un verre. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Et joli le Florizard. Hop. Ouais, c'est marrant. J'aime bien la Pikachu, elle est jolie.
Y'a que chez French qu'on peut frencher. C'est dingue. Il était fan de ça. Donc toi tu dis que c'est quoi toi ça? Est-ce que c'est le modèle original? Oui, c'est le modèle original 100%. Ouais, et il y avait un âne aussi à la base. Il y avait un âne aussi, il y en avait un autre. Ouais. Mais il y a eu celui-là. Il y a eu celui-là? Oui, il y a eu celui-là. C'est dingue, je m'en rappelle même pas. Ali Baba. Voilà, tu vois, regarde. Tommy. Mais il est arrivé bien après l'âne. Regarde, 98. Ça, ça date de 98. Oui, bah oui, et l'autre oui, il est beaucoup plus ancien. Récent. Non, plus récent, je pense. Ah non, non. Non, non. On va pas s'entendre. T'es ouf. Ah, écoute, t'es ouf, t'es né dans une autre dimension. Non, je suis pas né dans une autre dimension, je suis de ces années-là. Oui, oui bien sûr, ces années-là. Si. Waouh. Pervers, il me dit. Ah, attends, je ramasse mon petit truc qui est tombé par terre en même temps. Allez-y, vous pouvez regarder. Toi, 1 euro, sauf le drap, il a 2 euros. Ah, celui-là a été magique, celui-là aussi. Mais pourquoi les DVD, vous les donnez? Parce que c'est quelqu'un d'autre qui les a mis chez moi. D'accord. Et moi, je me barrasse des choses de quelqu'un d'autre. Alors, j'en ai ras-le-bol de tout ce truc. On en a trop. Alors, allez, hop, ça s'en va. Bah, écoutez. Si c'est pas gratuit, ça part pas. Combien je vous donne pour ça? 10 centimes. Bah, 10 centimes. 20 centimes. Bon, allez, on va trouver un arrangement. Y a rien d'autre à prendre? Dernier Samouraï, non. Je vais revoir des films que j'ai déjà vus 100 fois, mais je préfère tellement regarder un film que j'ai déjà vu plutôt que de regarder un truc qui me plaît pas trop. Elton Jones, Greatest Hits, Live at Madison Square Garden. Ah bah là ça marche. Je veux pas le rentrer à la maison. Là ça marche. Là y a rien qui rentre là. Rencontre avec Joe Black. Trait pour trait. Oh la pauvre Jennifer Aniston. Je vous donne un sac. Oh, mais vous êtes parfaite. Vous pouvez fouiller. Mais vous êtes parfaite, madame. Vous offrez les jeux, les DVD, les machins, et puis en plus, les sacs. Un... Bonjour. Bonjour. Vous vendez combien les bandes dessinées? 1 euro. 1 euro, franchement. Tu veux pas vertiger? Ça va bien. C'est quoi? Tiens, Bricot, parce qu'il m'a soutenu. On a vu un dromadaire qui faisait pareil et il me soutenait que c'était un des premiers, soi-disant, mais en fait ça a toujours été l'âne. Hein. Ça, c'est le remasterisé celui-là. Mais de quelle année celui-là? Mais il est récent celui-là. Voilà, c'est ce que je disais. Oui, mais il y en a un plus ancien. Mais c'est lui, c'est le dromadaire. Mais non, 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 c'est pas le dromadaire. C'est pas lui. Ils vont nous dire. C'est pas lui. Tu mens. Tu mens. J'ai connu les années 2000. Voilà. Voilà. Arrête, c'est dégueulasse. Salamèche. C'est dégueulasse en plus. Salamèche, il avait un cheveu sur la langue et il est. Voilà. Ouais, regardez maintenant, tu vas filmer. Voilà, il a fait son plan, il est content. Allez, putain. Oh, il est lourd, hein. Comment tu fais pour supporter? Attends, il y en a un autre aussi. Ah, c'est bon. Eh, viens voir, il y en a un autre. C'est coquac. Alors un petit bilan de ces vide-greniers. Eh ben écoutez, j'ai trouvé l'une des trucs les plus anciens en jeu vidéo. Et lui, il a trouvé le dernier God of War. Le plus récent. Donc on a trouvé les extrêmes opposés en vide-grenier. Comme quoi tout est possible, ne jamais rien lâcher. Allez, à tout à l'heure.